Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre Godfall, un jeu d'action-aventure avec des éléments de RPG. Vous allez combattre ici un grand nombre d'ennemis, vous allez avoir des batailles de boss qui vous attendent, il va bien falloir esquiver, bloquer les attaques, l'action est vraiment nerveuse et le jeu est bien fun. D'ailleurs vous pouvez y jouer tout seul comme on va le découvrir là ensemble, mais vous pouvez également y aller à 3 en PVP coop avec des amis, donc c'est encore plus de fun. Si vous êtes intéressé par le jeu, le lien est dans la description, vous pouvez utiliser le code créateur pour faire un petit retour à la chaîne. Allez, vous êtes prêts? En avant! On regarde la petite intro ensemble et on est parti ensuite. Il y a les sous-titres en français. It was all a lie. Makros sold us a vision he never believed in. He would destroy us. We just didn't know it yet. We were warriors, but he turned us against each other. Brother against brother. And despite all the maneuvers and all the strategy, in the end, it was going to be either me or him. Makros was the better warrior that day. Si vous êtes confus, notre personnage est celui qui coule là. He left me for dead, but I survived. Makros thinks the war is over, but our fight has just begun. Voilà, donc après cette intro bien classe, nous on va redémarrer de zéro. On va devoir monter de level, obtenir du meilleur stuff et toutes ces bonnes choses pour se venger et rétablir la justice. Ok. Obtenir justice, voilà. This won't be easy. They've got 1,000 men in there defending her. If anyone can get in there, Orin can. You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple. Sir! You can count on us. You two cover the back. I'll take the front. Nous voici au début du jeu, on va y aller doucement, donc on va voir les différentes situations que mettent en avant le tuto, ça me permet de vous montrer toutes les compétences de base de mon personnage. On va bien entendu combattre des gars plus durs, puis des boss, monter de level, débloquer de nouvelles compétences, du nouveau matos et toutes ces bonnes choses. Alors donc on a une attaque rapide bien entendu que l'on peut enchaîner avec une attaque lourde comme celle-ci, elles font plus de dégâts, mais par contre elles mettent un peu plus de temps à s'activer, vous connaissez le principe. Il y a parfois des sous dans les vases, donc je vais de temps en temps en péter, mais je vais pas trop me tracasser avec cela pour la vidéo, parce que ça va être marrant de me voir passer une demi-heure à péter tous les vases que je croise. Ah, alors, là, on a un déphaseur. C'est quelque chose qui nous permet de nous téléporter. Ça va être très utile pour progresser dans le jeu, parce qu'on a les différentes plateformes qui nous attendent, et on peut pas sauter, sauf si c'est prévu. Voilà. Hop, ça. Rien ici, j'ai pas beaucoup de bol pour le début.
Et on a notre premier vrai combat. Donc je vais viser le bonhomme. Et on est parti. Et j'ai fait une petite attaque lourde. Boum. Ah, ah, j'aurais pu faire un finish sur lui. Mais ouais, j'ai topé trop tard. Les soins. Ah, alors. Là, il montre les finis. Donc si vous blessez suffisamment un bonhomme ou vous le renversez, vous pouvez déclencher un coup final. Il le tue en un coup. Et là, on a un vrai combat. Alors là, il y a deux factions qui se combattent. C'est deux factions ennemies. Donc je vais pas aider une ou l'autre. Hein. C'est parti. Les épées sont un peu plus embêtants. Oh, oh, je pensais que j'étais hors de portée du gars. Termine. J'ai dû le laisser. Voilà. Donne-moi tes points de vie. Oh. Ouais, là, il nous parle de ce que je vous ai dit avec les pierres de vie. Donc, donne-moi tes points de vie. Je suis pas à fond. Est-ce que ça a des potes derrière? Je sais plus d'où je viens. D'où je... Ok, je viens de là-bas. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, je suis bon côté points de vie. Là, par contre, il y a beaucoup de choses à casser. J'espère que. Ouais. Elle est sous. Voilà. Pète, pépette. Ils veulent vraiment que j'appuie R pour récupérer mes points de vie, là. Hein. Ça m'arrange pas. Bon, on va le faire. Comme ça, on va virer la pop-up. Ah, alors. Là, vous voyez, derrière, il y a un bouclier. On le veut vraiment. Parce que ça me permet de contrer, de parer et d'étourdir certains bonhommes. Alors, je devrais théoriquement attaquer le gars au milieu. Ce serait la stratégie, là. Mais je vais vous montrer pourquoi j'attaque les autres. Voilà, regardez, là il vient de faire un lien avec ce bonhomme. Et donc maintenant l'autre est invincible en gros. Voilà, il... Ah, je l'avais pas vu, je cherchais où il était, il le voyait même pas. Il était dans la fumée verte. Allez, tu me donnes des points de vie, non? Ok, très grave. Et notre nouveau matos. Et maintenant, voilà, vous voyez, il y a une petite aura quand je le sors. Attends, on va devoir... Voilà, ce qui nous permet de faire un compte, en gros, de renvoyer les projectiles. Ah ! Ok, pas grave. On va t'empêcher d'attaquer. Voilà. Point de vie. Point de vie. Parfait. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer. Ah, je peux pas sortir ? Je vais pas sortir le menu? Pas encore, d'accord, je voulais vous montrer l'inventaire et tout. On continue. Ah, je voulais l'avoir avant. Je passe son attaque. Mal esquivé. Point de vie. Pépette. Donc les jeux d'action du genre sont pas les jeux que je joue souvent. Hein, donc soyez gentils avec moi quand je galère. On peut pas être bon à tous les types de jeux. Ah, et alors là on a... Ouais. Là maintenant on va découvrir la compétence du bouclier. Okay. Un petit peu à la Captain America. Ah, ça en a eu qu'un. Bon, pas grave. Alors, je vais venir là. Ah, je voulais le down pour vous montrer. Non, il va être trop tard. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Donc, je vais en down un autre. Oh. Ah, le bouclier pas up. La compétence du bouclier pas up à nouveau. Il est derrière moi. Je sais pas où il est. Ok, il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a un qui est sur l'île là-bas. Alors, le bouclier up à nouveau. Voilà. Ah, je voulais avoir l'autre. Ah, ok. C'est un petit peu lent. Maintenant toi. Tu veux pas attaquer? Ah, je dois attendre que ma compétence de bouclier revienne.
t'attaque pas. Oh, il m'a attaqué dans ma partie. Voilà. Bien. Oui, c'est là-haut. On va bientôt avoir un mini boss. Ouais. Ouh. J'ai chaud là. Du coup, petit coffre. Good luck, Owen. Merci, j'ai récupéré tout. Là-haut. On doit aller là-bas, donc on va passer par là en premier. Eh bien, j'ai toujours pas le droit à mon inventaire. C'est bon, il y a un coffre? Non, c'est pas un coffre. Ah ah! Cinématique! On sait que du coup. Quelque chose nous attend là. No man shall enter the temple of the seventh sanctum. Allez. Oula, ok, je m'attendais pas à une baffe dès le début. Est-ce que je peux le renverser? J'ai pas essayé. Non. Un enchaînement. Je m'étais fait avoir avec un feu également. Ok, donc là je vais essayer de le faire venir là. De la même façon. Viens vers là. Oh, ok, j'ai stun en plein saut grâce à mon bouclier. Ok, ça c'était pas prévu, mais c'était classe. Oh. Ah, il nous en veut, hein. Ah, quelque chose qui est cool, les chargements dans le jeu sont vraiment courts. Ça, c'est génial. Bon, après, le jeu est sur un SSD chez moi, donc il sera probablement plus long chez vous. Donc. Regarde la cinématique. And you know why I'm here. Il me semblait avoir monté le level là dans ma partie test. Peut-être il manque quelques kills. Bien. Ok. Ah bah voilà, ouais, il manquait juste un ou deux kills. J'aime bien la musique du level up également. Oh, je crois qu'il y en a un derrière moi. Ouais, il y en a deux. Donc,
pierres de transformation. Les pierres de transformation sont des butins non identifiés qui possèdent 5 niveaux de rareté. D'accord ? J'aurais pas en avoir eu. Ah, c'est pour... ah non, c'est pour ça que j'avais mon inventaire, c'était ouvert. Alors, très bien. J'ai mis là, puis on va dépenser des points compétences. Allez, venez. Merci. Ça donne beaucoup ou pas non? Bien, alors, du coup, ouais, la tribu, ça je sais. Oups, non. C'est ce que je voulais faire. Tac. Donc, on va dans Armurerie. C'est la même chose. Regardez ce qu'on a. Tense. Donc, je vais mettre dans Technique d'armes. C'est ce que j'avais pris, parce que ça nous donne un bon petit dash. Il y a deux techniques, E clic gauche, E clic droit. Donc un c'est technique du nord et l'autre c'est technique du sud. Donc acheter. Maintenant. Regardez ça. C'est pas excellent. Bon. Ils veulent que tu fasses la technique du nord, mais il faut que ça se recherche, je suppose. Du coup, explorer en profondeur le temple Soulforge. The monolith is a weapon like no other. It has the power to reshape reality, and your brother controls it. For now. He nearly has the power of a god, and you are one man, an injured man at that. I didn't come here for your encouragement, Sanctum. Allez, vous êtes tous au même endroit. Ils sont morts. Ok, je voyais rien. Allez, mon petit coffre. Très bien. Alors, j'ai pas eu un nouveau en armurerie. Ok. On peut recycler. C'est une épée également comme l'autre, peut-être prendre le marteau. Oula, le freeze. Oula, l'arme est tellement puissante que ça fait freeze déjà. Ok. Ouais, c'est pas mal en fait pour casser tout ce qu'il y a autour. Et d'accord, mais c'est peut-être un peu lent. J'ai rien pour là, on est d'accord. Non, je n'ai pas de breloque. Allez, on continue. Et ça me donne vraiment l'impression que j'ai pas obtenu tout ce que je pouvais avoir du coffre, hein, je trouve. 3. Ah, il y en a 3. Ah, je me demande quel est l'effet de l'autre arbre, du coup. Ouh. Ok, ça c'est différent. Ah ouais, d'accord, je comprends pas, je prends les mêmes dégâts. Juste qu'elles sont vraiment toutes différentes. Allez, on va le tuer. Oui. Tiens, voilà. Ok. Il y a moins d'impact, on va dire, sur l'ennemi. Je sais pas si je peux les stun. Ouais, ok, je peux pas les stun. Donc là, je vais sortir cette arme. Ouh, bravo. Ouais, là, je l'empêche de faire ce sort avec cette arme. Elle est géniale cette paire d'armes. Très bien.
j'ai aucune idée où je dois aller. Ah, j'ai plein de sous. Pas de coffre. Où est là-dedans? Ah. Alors, tu me donnes quoi? And I am not just some tool at your disposal, Auron. We will discuss this. Donc on parle à l'arme, là? On parle peut-être à l'arme. On a un anneau. On a deux anneaux. D'accord. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? 20 de puissance. Ah, je peux pas... Niveau requis 2. Ah, vous pouvez pas équiper deux fois l'anneau G. Ah bah, dans ce cas, est-ce que je peux le recycler, l'anneau? Recycler plutôt, plus 51 la monnaie du jeu. Donc on a les choses là-bas, on a des choses ici, mais on n'a pas trop le choix, faut aller là. Je peux sauter, pas sauter. Ok, il va falloir faire le tour. Vous m'avez pas. Oh oh! Vas-y, attaque! Bien! Je t'ai tué, je l'ai tué, voilà, c'est bon, allez. Gros, ils attaquent pas. Hein. Pareil de l'autre côté, non? Ok. C'est l'animus. Parce que les petits, c'est des one shot. Hop. Ah, toujours pas mort. Même pas, je te laisse une chance de me toucher. Ensuite, alors, on a quelque chose là-bas. Ok, là, ça m'a l'air d'être plus sérieux. Donc, je vais aller finir ce qu'il y a là-bas. Toujours l'XP, tout ça. Récupérer ça sur le retour. Peut-être qu'on attaque. Oh. Son attaque était lourde, elle a brisé mon bloc. J'ai pas le bon, j'ai pas la bonne arme pour lui. Ouh, qualité verte. On a une arme. Ciseaux. Puissance 26. Plus 7% de chance d'infliger saignement. Alors on va remplacer toi. Il est bien équipé, hein. D'accord? Ouais. Okay, parfait. On retourne. Est-ce que ce que j'ai lâché est... Oh, il y avait ça? Je vais me téléporter en fait de là-bas ici. Ah non, ça, c'est repart, ça a disparu, ouais, voilà. Au moins je suis sûr. Il y a un temps de dépop pour les objets. Merci pour les soins. Et on va dans le temple. Okay. Ça a touché les gars. Pourquoi tu fais pas... Ah. Ok. Toi, je peux te savoir.
Oh, j'ai voulu me protéger trop tard. Alors. Voilà, je laisse les choses qui sont autour. Alors vous. Je peux l'avoir? Ouais, je peux l'avoir. Juste attends. Armure de bronze. L'autre est sûrement derrière. Lente, faut une arme un peu plus lourde. Ouais, le jeu est fluide, nerveux, pas de problème, c'est fun. Ouais, aucun souci. On continue. Alors, brise-âme. Utilisez clic gauche pour convertir une portion de la santé de l'ennemi en accumulation de brise-âme. Tu me racontes? Utilisez clic droit pour infliger des dégâts de brise-âme équivalent à l'accumulation de. Ah, ok. Compris. Brise-âme, c'est la barre, ok. Et là, voilà, je vais. D'accord. Ah, c'est géant ça. D'accord. Donc, on accumule des dégâts qui font pas vraiment de dégâts. Et derrière, on valide la grosse attaque. Je pourrais mourir rapidement. Niveau 3, niveau 6. Ah, et c'est vrai que j'ai pas utilisé ma nouvelle compétence, donc on va voir ça. Du coup, synchronisation d'armes. Appuyez au bon moment sur clic gauche après une attaque pour effectuer une attaque synchronisée. Ah ouais, mais là je vais pas y arriver avec l'enregistrement. Attaque polarisée. Chargez votre attaque polarisée en frappant les ennemis avec votre arme lorsqu'elle est entièrement chargée. Changez d'arme pour déclencher une onde de choc. Ouais. Brise-âme. Ok, ouais, ça c'est plus visuel, donc on va prendre celui-ci. Je le prendrai pas théoriquement, vous voyez celui-là. Mais c'est plus visuel, donc ça pourrait être pas mal. Et alors. Deux nouvelles pièces de matos et des vertes. Alors, on avait quoi? On a toi et toi, hein, c'est ça. Donc toi, 26, 7% de vitesse de charge de technique d'arme, 7% de vitesse de charge. C'est la même chose dans l'autre, c'était chance d'infliger saignement. Quelle est la différence entre toi et toi? Est-ce que c'est... Ah, ok, ok. Du coup, je reste... Ciseaux. Je reste avec ciseaux et toi, tu vas passer ça. C'est bon? Ouais. Alors, allez où? Pas que je dois aller en bas. Ouh! Ok, je pensais que j'allais. C'est vrai que je suis pas très rapide. Hein. Ah, il m'a eu quand même là? Ouais, il m'a eu quand même. Malgré mon esquive. Pas grave. Ok, j'ai cru quelque chose derrière. Ah, il y en a deux. Ok. Du coup. Grosse attaque, je vais pas me protéger de ça. Ah là, j'essaie de contrer un petit peu, mais pas toujours une bonne idée. Si on force. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-haut?
Il y avait un coffre là, je crois. Non, c'est juste une lumière. Ouh, ne dites pas que ça, ça va être un boss. Est-ce que je peux sauter là? Ouais. J'aime pas quand les jeux ne nous laissent pas juste parce qu'il y a une petite marche. Ah, ouh. C'était bloqué par quoi là? Et ça a compté le timer. Bon, alors. Bouclier défensif, appuyez sur Q pour effectuer une parade. Oh, ça je sais. Et ton attaque. Attends, ce couteau. Ouh, pourtant j'ai appuyé là. Faites l'animation de mon attaque. Allez, fais ton attaque. Tiens! Éliminé. Pépette. C'est vraiment embêtant de devoir reculer pour ramasser. Ah, qu'avons-nous là? Je crois qu'il y a un gars qui se baladait, non? Ouais. Allez. Éliminé. Voilà. Pas de nouvel objet. Ah, laissez-moi le ramasser directement quand je le détruis du truc. C'est pas fun cette mécanique là, c'est mon plus grand proche du jeu jusqu'à présent. Alors, j'espère qu'il y a donc un moyen de les attirer à un aimant ou... Là. T'as d'autres qui vont apparaître, non? Oula. Ouh, d'accord. Tiens, ça t'apprendra à faire ton cri. Pas d'autres qui sont remis en vie. Là, je te regarde, ok. How could you possibly defeat your brother and all his forces? Tell me. I'll find a way. I just need to get inside the monolith. Petit chemin là s'il y a besoin. Qu'est-ce cette histoire? Pourquoi est-ce que je peux zigzaguer entre le côté gauche et le côté droit? Oh, j'ai cru qu'il y a un piège là, qui s'était déclenché. Ah là, mon arme. Ah oui, ça, la charge a été faite et mon arme s'est déclenchée. Et ça la stun et lui a fait des dégâts. Ah oui. Elle est où la barre de charge? Ah, elle est en bas à droite de. D'accord. De l'arme sélectionnée. Ouais, j'ai ça. Ouh! C'est une attaque différente en fonction de. Il m'en sert ou pas. Elle est mise avec cette arme. Oh. Oh. C'est lequel il est là? Non, c'était pas le bon. Ouais, c'est ça, voilà. Ah, je veux. Vite, vite. Voilà! C'est ce que je voulais faire. Ah, il est pas mort. Oh. Ok. Voilà. Merci pour les soins. Une autre bulle de soins. Il va probablement falloir me soigner là. Ouais, y a pas une carte là-dedans, y a pas de carte. Je sais même plus de quel côté je suis. Comment j'ai fait des traits. Je suis arrivé de là, oui, de là, je suis arrivé de là, d'accord. Donc on a là-haut et on a à droite.
Ok, j'ai un coffre là-bas. Ah, il y a la voix, donc c'est peut-être le bon chemin. Celui-là plutôt. J'ai vu en plus son attaque. Voilà. Tiens, donne-moi tous ses points de vie. Et finalement, non, c'est pas le chemin. Je pense pas, à moins qu'une porte s'ouvre. Et il y a parfois des points de vie dans les... Ah, c'est vrai qu'on avait déjà eu en même temps. Ah, du coup. Ah. Non. Points de vie, argent, pas de matos. On peut descendre par là, peut-être, plus simplement. Petit raccourci. Et du coup. Donc, on vient toujours de là-bas, on va là-bas. L'autre chemin. Ça m'a l'air d'être un boss. Ouh. Waouh. Ok. What do you think will happen if Makros succeeds? He becomes a god, and the world as we know it will end. Ah, c'est pas lui que je voulais viser. Pourquoi t'as visé lui? Que nos armes sont touchées. Ces trucs. On peut y aller. C'est juste de la déco, je pense. Ça va pas me tomber sur la tête et me tuer. Orbe sauf flamme. Seule flamme. Survivez jusqu'à la fin du compte à rebours et éliminez le plus d'ennemis possible pour obtenir de meilleures récompenses. Ouh. Oh, il m'a eu. J'essaie de les éliminer vite, mais... Ah, les gardes d'honneur, je les aime pas. Ah, okay, on va t'ignorer, toi, on va aller à un autre. Arrête de le viser. Oui. Un épéiste. Voilà. Le garde est toujours là. C'est tout? Elle est où ma récompense? Ah, elle est là. Ah, une perle pierre de vie. Alors, c'est quoi cette histoire? Ça remplace celle qui et qu'on met en bas. Ouh, j'en ai plusieurs types. J'ai celle-là d'équiper. 5 ans de régénération de santé. 64 plus 12% de chance. Ah, sur moi ou sur les ennemis? Non, je crois que c'est moi sur les ennemis. Ok, 55. 64. Oui. Ok, on va équiper. Je peux en avoir deux, je crois. Ah non, c'est une bannière l'autre. Ok. Petit chargement. Your odds are 1,000 to 1. But I'll help you on one condition. Ah, quelle est ta mission? You won't like it, Orin. Attaque dangereuse. Parer une attaque dangereuse pour étourdir un ennemi pendant une longue période.
Attention, bloquer une attaque dangereuse, vous êtes entièrement vulnérable. Je suppose la condition c'est de tuer lui. Il a l'air bourrin et je l'ai jamais fait alors qu'on va mourir. Oh, ok. Là, je me suis fait renvoyer. Il a un bouclier. Je crois que je peux parer ses attaques. J'arrive à une flèche, il va récupérer son bouclier. Ouf, ok, j'ai fait une bêtise. Ah, parce quoi là, c'est quoi la barre blanche? Ok, non, c'est juste qu'il perd des points de vie dans son propre feu. Ah, j'ai récupéré un truc de soin. Encore mon bouclier. À lancer. Je peux le toucher là. Ouais, je peux le toucher là. Allez. Ah, il a récupéré son bouclier, j'hallucine. Je me fais avoir par cette attaque. Yes, je t'ai eu, je suis même pas mort à la fin d'une vidéo. Pour une fois que c'est un jeu d'action, je meurs pas. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon, ça. Oh, okay. C'est un premier essai, donc je suis content. Oh, ok, bam, direct. Tous les gens autour. Il y a des gens qui vont combattre pour moi. J'ai dû appuyer sur le bouton d'auto de destruction du camp. Ils sont tous équipés là. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là, on a bien avancé. Quarantaine de minutes pour la vidéo. On a fait un gros boss, un boss moyen, un petit boss. Peut-être plusieurs petits boss. Et on a atteint un endroit majeur de l'histoire. Ça serait une armure? Non, ah non, c'est la fille qui nous parlait. La fille qui nous parlait. Well done, Orin. Welcome. Tout cela. Mais je vais m'arrêter là, je vais pas vous montrer ce qui nous attend à partir d'ici. Si vous voulez en voir plus, bah, il faut prendre le jeu. Si vous êtes intéressé, je vous rappelle que le lien pour le code créateur est dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye.